parler mes trois plus beaux combats que j'ai pu faire dans le karaté. Il y en a eu des mauvais, mais il y en a eu des bons aussi. Le tout premier, je vais commencer par le premier combat. C'était mon. Parce que souvent, les gens ne savent pas, ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc là, je vais expliquer pour mes internautes que. Alors, mon premier combat, c'était. Alors, je vous mettrai aussi un lien dans la description, hein, c'est sûr. Alors, mon premier combat qui a été un des combats qui m'a marqué, c'est avec le champion du monde Arthur Merian, qui est actuellement senior. Arthur Merian, qui était champion du monde pour sa première équipe de France, il a fait champion du monde. Donc je suis tombé contre lui en Coupe de France par équipe. Franchement, ça. J'avoue que là, j'ai découvert le quel beau niveau mondial, parce que c'est ouf. Enfin, c'est fou, quoi. Il y a des gens hyper rapides et tout, c'est vraiment bien. Et puis bon. Ça m'a permis aussi, même si j'étais un peu bloqué en sachant qu'il était champion du monde, parce que j'étais un peu bloqué dans ma tête, ça m'a quand même fait une bonne expérience. Et franchement, moi, mes proches, mes parents et tout, quand ils ont vu le combat, ils m'ont dit t'es pas ridicule, passe. Enfin, bon, moi, je me trouvais ridicule, hein, mais bon, les gens disent que je suis pas ridicule devant, donc bon, ça prouve que voilà, si j'avais donné le maximum, ça aurait pu peut-être être autrement. Alors, deuxième combat, c'est aux interrégions. Aux interrégions. Je bats le champion de France, enfin, l'ancien champion de France minime, Florian Coste. Alors je le bats aux interrégions. Il avait fait aussi l'année précédente, deuxième à l'Open Adidas. Il avait perdu au drapeau face à Joaquim Chieno, que je connais bien, c'était dans ma catégorie. Il avait perdu au drapeau en finale de l'Open Adidas. Joaquim Chieno avait fait champion du monde aussi. Florian Coste, voilà, deuxième à l'Open Adidas, champion de France minime, puis il y a eu plusieurs podiums nationaux, voilà. Et enfin, je passe pour le dernier combat, bon, celui qui a été vraiment où j'étais au top de ma forme. C'était contre le mec de Sarcelles, Milton Boisseron. Donc, Milton Boisseron, c'est aussi très bon. Hein. Il avait fait 2 vice-champions d'Europe. L'un des mêmes où je l'ai affronté, il avait fait 8 champions d'Europe à l'Euro Jeune 2015, 2016, je crois. Et c'était vraiment un combat où je ne m'y attendais pas, quoi. J'ai perdu seulement 3 à 2 face à lui. 3 à 2. Alors que je menais au début, j'ai perdu 3 à 2. Bon, voilà.